Car c'est un bon jour, t'en as marre du métro boulot dodo. Alors sur ma chaîne, c'est que de l'amour. Ici, pas de haine, que du chamallow. Bienvenue dans mon monde de guimauve, où mes rêves, nos rêves prennent vie. Par ma voix en douceur, visitez mes alcôves. Remplissez-vous le cœur, les yeux de mes fantaisies. Si tu veux me trouver, murmure avec moi cette ode, car mon nom est Motherlode. Méfie-toi de tous ces ténèbres qui rôdent, et si dans la toile tu es pris, je suis ton upload. Bonjour les Sims.me et bienvenue dans cet épisode 28 de mon Let's Play Motherlode. Un Let's Play qui est parti de la base d'une Simette qui était Rebecca Let's Play. Elle a épousé donc les joies des Koubas. Donc elle a épousé Edouard Let's Play Nugin qui vient d'avoir une mission qu'il vient d'accepter, c'est-à-dire qu'il doit lire un livre. Ils ont eu ensemble deux enfants, Raffaello Let's Play Nugin, leur aîné, qui est à l'école publique. Voilà, ils ont une petite fille qui s'appelle Elsa Let's Play Nugin et une chienne qui s'appelle Trompette et qui est en train de me détruire des meubles alors qu'elle ne le devrait pas. Voilà, elle devrait faire ses besoins, cette vilaine. S'allonger, faire pipi ici. Une fois que t'as fait pipi, eh ben, tu vas aller jouer avec ton nonos si vraiment t'as envie de détruire. Voilà. Raphaël Let's Play vient de revenir d'une sortie scolaire qu'il n'oubliera jamais. Bah, c'est merveilleux. Est-ce qu'il a eu un cadeau? On va voir ça dans son inventaire. Est-ce que tu as eu un cadeau, mon chat? Oui, tu as un cadeau qui ira très bien dans ta chambre, question déco. Où es-tu? Alors, pour ceux qui suivent ma série, en effet, il y a eu quelques changements sans vous. Je suis vraiment navrée. D'une part parce qu'il y avait Dieu du remue-ménage un petit peu à la maison. Et donc, faire ses devoirs. Voilà. Et donc, il y avait un petit peu de remue-ménage à la maison. Et donc, ça aurait fait du bruit et ça aurait été galère. Et d'autre part parce que j'ai téléchargé plein de choses et que je voulais voir un peu ce que j'avais téléchargé. Et ce que ça pouvait donner. Donc, j'ai très nassé. Et donc, il est très content. Alors, pourquoi il ne peut pas faire ses devoirs? Va faire tes devoirs. Mais va faire tes devoirs. Ah oui, il a son ami imaginaire qui a grandi. Qui est là. Et qu'est-ce qu'elle lui veut? Elle veut lui dire quelque chose. Et donc, il va assez bien. Ah oui, non, il a un problème d'énergie. Donc, papa vient de rentrer du boulot. Donc, il va répondre au téléphone. Il va se doucher. Il va répondre au téléphone et se doucher. Hop. Eh ben non, il va pas répondre au téléphone. Donc, il va juste se doucher. Voilà, hop. Prendre un bain. Prendre une douche. Voilà. Donc pourquoi tu ne veux pas faire tes devoirs sur la tablette alors que tu veux bien? Est-ce que la tablette n'est pas au bon endroit? Je ne sais pas, on va la mettre ailleurs. On va la mettre, voilà, ici. On va voir si ça marche. Oula, alors ça m'étonne qu'il l'atteigne. Voilà, ici. Donc on m'a dit que ça lui faisait du ludique de faire ses devoirs sur la tablette, donc c'est vrai que du coup j'en ai acheté une. En fait je l'avais hein, déjà dans mon jeu, mais c'est vrai que je m'en servais pas tellement souvent. Est-ce que... Bah non, Elsa est très loin d'avoir rien d'inhabituel, cirer les... Oui, puisqu'elle est bien en cuisine et tout. Donc il va faire ses devoirs sur la tablette, notre fils. Et donc, est-ce que ça fait monter le ludique? Je pense que la personne qui m'a proposé ça savait ce qu'elle disait et elle avait plus que totalement raison. Donc, dorénavant, il fera ses devoirs sur sa tablette graphique. Ça sera plus efficace. Ensuite, il veut s'occuper de son chien. Donc, ça, volontiers. Apprendre à faire le beau à Trompette. Ah oui, malin, c'est un peu tôt. Voilà.
Où en est papa? Il a faim, bah il va grignoter, hop, manger des restes, une part de gâteau. Donc les devoirs sont faits. Bah génial, écoute. Non, tu ne t'appropries pas la tablette, elle est à toute la famille, la tablette, voilà. Ah, elle est à toute la famille, la tablette, j'ai dit. Ah, c'est quand même fou, ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux adopter un chien, j'imagine. Eh ouais. Et ce qui n'est pas du tout une mauvaise idée. Est-ce que tu peux, à ton âge, jouer à un jeu, obtenir un jeu type jeu d'échecs? Eh ben, on va leur acheter un jeu d'échecs. Par contre, c'est vrai que je vais manquer d'espace à l'intérieur de la maison. C'est fou, ça, quand même. Déjà? Je suis une grande dépensière. Alors, un jeu d'échecs, un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs. J'ai pas tellement envie de prendre celui du futur. Celui-là est très bien. Voilà, il est basique, il est standard. On va le mettre aux couleurs de la maison et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Est-ce qu'on va pouvoir mettre les chaises de chaque côté là? Je ne suis pas certaine. On va tenter ça tout de suite. Alors oui, j'en ai téléchargé des choses. Hein. Des tas et des tas et des tas de choses. En plus, je veux dire, de ce que j'avais déjà téléchargé. Alors on va mettre cette chose-là, qui va très bien faire pour... Voilà, et en face on ne peut pas, bien sûr. Bah oui, parce que on est trop près de la porte. On va donc... Ah oui, et là ça ne passe plus. Ici. Et ça, on va le mettre ici. Ce pauvre chien se fait reculer de minute en minute. D'ailleurs, à ce propos. Voilà. Hop. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah là là! Vous voyez pourquoi je fais des trucs sans vous? Ça vous fait gagner du temps et de l'énergie à vous, hein? De toute façon, on a un miroir dans la salle de bain. Voilà. Pipette. Voilà. On va prendre. Hop. Et on va reprendre l'habillage. Hop, comme ça. Voilà une chose cohérente. Ouais, c'est très sympa. Et donc, il va avoir acheté ce qu'il voulait acheter. Et donc, il va pouvoir mettre adopter un chien. Ce qu'il va s'empresser de faire. Réseau social, appeler un sim, s'organiser une fête, paramètres du téléphone. Ah ouais, lui, il peut pas. Mais papa, il va pouvoir le faire. Quand il aura 5 minutes après manger. Donc papa va adopter un chien. Un mâle. Absolument. Service. Service d'animal du refuge, voilà. Et on va mettre la petite déco qu'il a eue pour sa visite. Donc, pas lui, lui. Sur le mur. Ce qui est très mignon. Ça lui fait une chambre vachement mature, je trouve, mais bon, elle est sympa quand même. Voilà. Il est fatigué, ce garçon, mais il est gentil. Il n'est que 17h40. Je vais pas te coucher maintenant. Où est la chienne? Parce qu'elle doit être en manque de social un peu. Ah bah non, pas tellement. Ah oui, il y a plein de journaux abîmés. Hop, à la mettre à la poubelle. Oui, donc celle-là, elle s'en occupe. Voilà. Il va l'appeler. Appeler l'animal, voilà. Elle renifle tout le monde sauf son ami. Ah, quand même, elle obéit. Donc, il va peut-être la féliciter, mais peut-être pas pour être destructrice. Elle est où, la petite? Il mange toujours pas à table, ça m'énerve, hein. Personnaliser. Renforcement, félicité pour non. Affection. Frotter le ventre. Ah, ça c'est mignon ça.
Petit bug. Il brosse sa chienne dans le dos. Bon, pourquoi pas. C'est mort pour répondre au téléphone. Et la petite, elle ne fait plus rien là-bas. Allez, joue au boulier. Ah oui, alors. Donc, on ne veut pas un chat, on veut un chien, on veut un mâle. On a Jack, qui est un adulte, donc ce serait pas mal, mais il n'est pas très à mon goût. Un chien, mais c'est un chiot. Un petit chien senior, je veux pas d'un senior. Ça, c'est une fille, ça, c'est une fille. Et ça, c'est un garçon cacahuète. Petit chien, chiot. Ah, donc, en gros, on a le choix entre Jack et Jack. Jack est agressif et indépendant. Oh, oh Libby est tellement mignonne. Oh, Yumi est tellement mignonne. Oh, Cacahuète est tellement chou. C'est un chiot qui a peur de l'eau et qui est fidèle. Bah écoutez, on va prendre Cacahuète. Allez. Cacahuète, bah on garde Cacahuète et Trompette. Cacahuète et Trompette sont sur un bateau. Non, c'est une blague. qui ne marche pas du tout, là, en l'occurrence. Enfin, c'est une blague foirée volontairement. Enfin, j'ai du mal à m'expliquer, mais moi, je trouve ça drôle. Alors, le papa, qu'est-ce qu'il a? Ben, il a envie de dormir aussi, mais il va s'occuper de son jardin. Voilà, entretenir le jardin. Donc, je... Pour chasser, s'amuser, s'amuser. Voilà, frottage de ventre. Frottage de ventre. Allez, saute! J'ai mon parrain qui a une petite chienne labrador noire et il lui fait des trucs comme ça, la pauvre. J'ai l'impression qu'on les rend fous quand on leur fait ça, mais c'est sadique, je trouve. C'est sadique. Mais bon, si ça l'amuse, le chien. Elle a l'air contente, Trompette. Et il y a 2 heures de jeu avec un chien. Voilà, ça lui plaît de jouer avec les chiens. Et il y a son ami imaginaire qui rouille là. Voilà, il est là. Mais t'as école demain, toi? Ah oui, tu as école demain. Falloir passer à la salle demain et aller te coucher du coup. Allez hop! Hop, tu caresses la chienne et puis après tu verras. Tu passes à la salle de bain. Est-ce que t'as besoin de... Hop. Ou un petit peu... Hop. Utiliser. Non. Non. Douche. Et se brosser les dents. Se laver les dents. Voilà. Après ça, t'auras... Faim. Ce qui est ridicule. Mais enfin bon, c'est pas grave. Manger reste. Une part de gâteau. Et enfin, tu iras te coucher. Et moi, je n'ai plus à m'occuper de toi. À moins que tu bugs dans... La suite de trucs que je t'aurais demandé. Ah! Elle a fini son boulot. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Rentrer, d'accord, mais pas en poussette! Pourquoi elle sort sa poussette? Elle veut discuter avec son génie, ce qui n'est pas une mauvaise idée du tout. Voilà, donc tu rentres à la maison. Ah, nous avons un petit chien qui vient d'arriver dans la famille. Donc il y a le monsieur des chiens qui arrive. Et donc on va devoir ressortir le chat-pieuvre pour le petit chien qu'on a à la maison. C'est bien parce que du coup en social ils vont pouvoir se sociabiliser l'un l'autre. Tu dors déjà? Allez ici.
Ah bah oui, il a sommeil. Est-ce qu'il veut... il peut dormir dans la niche? On parle. Voici votre nouvel animal cacahuète. Offrez-lui un foyer agréable et beaucoup d'affection. Ouais, beaucoup, hein. Voilà. Voilà. Tout le monde a un nouveau chien. Tout le monde est content. Je ne sais pas si Rebecca a une promotion. Probablement que oui, normalement. Elle est moelleuse d'épices et elle est niveau 2. Eh ben non. Eh non. À cause de son humeur, apparemment. C'est pas bien, ça. Franchement, pas juste. C'est pas juste. Bon, le petit, il est encore dans la salle de bain, mais elle peut aller prendre l'autre. Ouais, mais les bains, c'est long. Voilà, donc tu rentres à la maison avec ton petit chien. Voilà. Tu rapportes ton petit chien à la maison. Il va faire un bisou au chien. Mais lol. C'est pas toi qui aimes les chiens, hein? C'est ton fils. Alors, lui, il est orange, mais il fait toujours ce qu'il a à faire. Maman, elle doit passer à la salle de bain. Hop. Douche. Et une fois qu'elle aura, se sera douchée, elle va acheter une cuisine pour les enfants. Ce que l'on peut faire. Alors, est-ce qu'on a la place de la salle de jeu? Ça, c'est that is the question. Mais si, moi, je mettrais bien une petite cuisine. En plus, j'en ai une petite Ikea bien rigolote. Voilà. Donc, la petite cuisine Ikea. Ah oui, j'ai téléchargé une chaise haute aussi. Un lit. Des trucs qui font un peu rustique. Et je me suis dit que ça serait bien pour... Bon, bah, Sunset Die, voilà. Je l'ai dit. J'ai un nouveau parc aussi. Et je crois que je mettrai plus le Dofus, je mettrai toujours celui-là. Il est trop mignon. Voilà, vous savez tout. J'ai téléchargé des trucs. Un coffre à jouer. Une étagère à jouer. Ah, ce truc de cube, trop bien! J'en ai un autre! Un cheval à bascule. Et une cuisine. Et celle-ci, je l'avais déjà. Une petite cuisine avec le petit haut de cuisine. Voilà, va au-dessus. Voilà. Ça, on va changer la couleur. On va mettre un peu plus dans les couleurs. Bah de leur maison. Donc c'est-à-dire un bleu vert. Voilà, un vert. Voilà, comme ça. Et donc pareil ici. Hop. Voilà. Ah mais il est plus vert là d'un coup. Plus vert. Enfin, allez, tirer vers le bleu. Allez. Voilà. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ouais, on est bien d'accord. Voilà, on a une petite cuisine dans la salle de jeu et je trouve qu'elle fait trop bien. Franchement, trop contente de mon petit téléchargement là. Ça, c'est TSR, un kit IKEA sur TSR. Il y a une créatrice qui fait ça. Et sinon, ça faisait un site qui s'appelle Euron the Sims, qui fait pas mal de choses comme ça. C'est lui qui pourrait faire des gâteaux. Mais il peut pas. Là, il est trop fatigué quoi. Et toi, t'en es où? T'en es que t'es épuisé, gars. Donc, tu vas aller dormir? Voilà. Hop. Non, tu vas pas construire un igloo, tu vas te coucher. Bah voilà, fais-le. Et donc le petit chien, il en est ouf. Il a sommeil, donc il va dormir. Et non, toi tu vas pas dormir ici du coup. Et t'as sommeil aussi. Et tu as faim aussi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont mes petits chiens? Ils sont en galère. Manger dans la gamelle. Il faut que j'achète un deuxième lit de chien. On va acheter un deuxième lit de toutou. Un deuxième lit de toutou. Un lit de toutou. Attendez, parce que je vais voir si... Dans mes téléchargements, le lit de toutou. Le lit de chat rentre dans les lits de toutou. Et non. Parce que normalement, j'ai téléchargé un lit de chat. Bah, je l'ai même pas. Voilà, comme ça, c'est réglé. Peut-être dans les divers. Non, dans les divers, c'est vraiment les trucs divers. Vraiment tout. Bon. Alors, dans les lits de toutou, nous avons celui-là qui est immense et celui-là qui est petit. Voilà. Et celui-là qui est plutôt dans nos couleurs. Qu'est-ce que je fais? Hop. Je le remets au milieu. Faut pas exagérer non plus. Au milieu de la pièce, non. On va le mettre dans le couloir, écoutez. Hop là. Ah bon, il voulait dans l'autre sens.
Ça choquait pas dans l'autre sens. Comme ça? Il y a une porte ici. Comment ça se passe? Voilà, bah oui, on va le mettre ici. Hop. Petit espace à chien là. Voilà, bah c'est parfait. Donc le petit toutou va dormir. Du coup, pas. Il va dormir ici. Voilà. Et la chienne, elle va dormir ici. Le papa, il va dormir dans son lit. Lui, il est au bout de sa vie. Mais de toute façon, il va aller se coucher. Donc c'est parfait. Il n'y a que maman qui va aller ici. Voilà. Non, tu veux pas jouer de la guitare, choupette. Tu vas rappeler ta génie. Parce qu'il faut que ça devienne une super copine. Donc on va lui faire faire le dernier vœu. Voilà. Ah, coucou copine Jenny qu'on ne voit pas. Voilà, hop. Faut s'approcher du génie. Voilà. Amical. Faire le signe du surfeur. On commence petit. Amical. Annoncer la promotion. Donc elle a bien eu une promotion. Amical. Dire des ragots de célébrité. Amical. Plus. Souhaitez-vous rester dormir? Parler de la neige. Amical. Plus. Prendre une photo ensemble. Raconter des ragots. Plus. S'enthousiasmer pour la musique. On va voir si ça fonctionne. On va faire un vœu. On va même faire deux vœux là. Maintenant, monter un groupe, faire un vœu. Un vœu. Maintenant qu'on est copine, on devrait pouvoir la libérer. Ou alors il faut être super méga ultra copine. En tout cas, je sais pas si vous voyez, mais tout est bien vert. Je gère bien mes Sims. Ils sont bien contents. Ah, oh, libérez le génie, vous n'êtes pas assez. Vous n'êtes pas assez. Oh, votre relation n'est pas assez forte. Bon, ben, on va faire fortune. Voilà. Et puis, on va continuer à être copine avec. Pardon, j'ai touché mon micro. J'espère que ça ne vous a pas embêté. Voilà. Hop là. Oh oui, je suis riche! Oh, c'est merveilleux! Je vole! J'aurais dû prendre une screen, c'est beau ça. Amical. Discuter. Félicitations! Vient d'améliorer sa compétence niveau 1, ouais. Alors, votre vœu est accordé. Je dois me reposer avant de vous en accorder un autre. Il ne vous en reste qu'un. Bah, tant mieux, faut qu'on devienne jusqu'à une paire ultra méga copine. Ouais, j'ai fait un peu de dragouille au milieu, je sais. C'est étrange. Allez, je veux qu'on soit meilleure copine de toute notre vie de pour toujours. Comme ça, demain matin, quand je me lève, je te demande d'exaucer ton souhait et je vais vite faire ça avant d'aller au boulot. Mais je pense pas qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Après, il y aura le relooking du Sims. Enfin, de la. Du génie.
Se renseigner sur la carrière. On va bien savoir, tiens. Bah, je sais qu'elle est au chômage, hein. Je suis au courant, puis elle va y rester, hein. Il y a un truc qui n'a pas marché. On est meilleurs amis là. On est amis proches. Peut-être que ça peut suffire. Oula, la petite, elle a besoin de social. Ah, tu ne fais plus rien? Oula, c'est la détresse, ma chérie, c'est la détresse. Maman va s'occuper de toi. Tout de suite. Moi, je la fais pas rentrer dans sa lampe. Elle rentrera dans sa lampe toute seule quand elle aura envie. Qu'elle s'habitue un peu d'être à la maison. La fille que j'ai primée tout de même. Voilà, accolade. Toc. On peut faire le signe du surfeur. Allez, va t'occuper de ta petite fille, elle a besoin de toi. Et après, tout le monde au dodo. Elle prend la tablette! Et elle va dans la véranda. Ah! Vous voyez qu'il y en a qui en profitent. Bon, maman, du coup, elle a renoncé à prendre sa fille du... Allez, Rebecca, va! Voilà, Elsa, arrête. Maman arrive. Voilà. Ouais, je vais laisser la génie vivre un peu chez moi, voilà. Hop. Donc, maman, elle va te donner à manger par terre. Ensuite, elle va t'apprendre à être propre, mais avec ton besoin de sommeil, ça va être compliqué. Merde. Elle a pas assez bu son biberon là. Oula, c'est compliqué là, hein. J'aurais peut-être dû la prendre en charge un peu plus tôt, ma fille. Tout le monde est crevé. Elle accepte. Elle est cool. Ah, le génie est parti. Vous avez entendu le ch'tong? Donc voilà. Demain, je la reconvoque et je vois si je peux la libérer. Sinon, bah, je ferai encore des efforts pour qu'on soit copines. Parfait. Donc, maman, tu vas lui redonner à manger par terre à ta fille?
c'est fini pour aujourd'hui, les Sismi. Donc, ben, je vais vous laisser et puis on va rattraper tout ça ensemble dans le prochain épisode que vous aurez seulement demain parce que celui-là vous l'aurez ce soir. Voilà les Sismi et ben, amusez-vous bien avec mes Sims et avec les vôtres. Ciao!